C'est l'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance pour ce qu'on a fait pour la France. Nous les Français, l'Algérie. Le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquent sur la plage de Sidi Ferruche, à 25 km d'Alger. Ce débarquement est mené tambour battant par le comte Louis de Bourmont, ministre de la guerre et commandant en chef de l'expédition en Afrique. La flotte bombarde les défenses de la ville, en particulier la citadelle de Fort-l'Empereur. À cette période, l'Algérie est sous la souveraineté turque du sultan d'Istanbul, sous le nom de Régence d'Alger, qui est le paradis des pirates. La ville est sous l'emprise des Turcs. C'est un marché d'esclaves, principalement blancs. Dans l'ancien temps, dans Alger, vivaient en harmonie beaucoup de peuples. Les Espagnols, il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait un peu de tout. Les Turcs sont arrivés en Algérie en 1516. Du 16e au 19e siècle, les pirates sèment la terreur en Méditerranée et empêchent tout commerce international. Éradiquer la piraterie de la côte des Barbaresques était un enjeu constant pour les Européens pendant ces trois siècles. Des bombardements du port d'Alger, entre autres américains et anglais, s'étaient produits à différentes époques, sans grand résultat. Parmi les Arabes et les Berbères, les Turcs, arrogants et brutaux, tiennent le haut du pavé à Alger. Ce sont les vrais maîtres d'Alger. Les forces armées sont composées de soldats, qu'on appelle des janissaires. Les Européens constituent une part non négligeable de la population d'Alger, soit comme esclaves, soit comme renégats. L'Européen qui se convertit à l'islam est considéré comme turc. L'islam structure ce nid de pirates. Durant des siècles, les Européens vivaient dans la peur du fouet et du triste sort qu'on leur réservait s'ils étaient capturés. Il y avait des tribus, il y avait les barbaresques dans le port d'Alger qui arraisonnaient les bateaux français et qui vendaient ensuite les femmes comme esclaves sur le port d'Alger. C'était pas la traite des Noirs, c'était les chrétiens qui étaient vendus par les musulmans, non par les ottomans. Les femmes et les enfants étaient plus faciles à attraper que les hommes. Ces femmes se vendaient très cher, surtout si elles étaient blondes aux yeux bleus. D'ailleurs, le dé s'accaparait les plus belles pour son harem. Tous ces aventuriers qui arrivent à Alger volontairement sont attirés par les possibilités d'enrichissement rapide qu'offre la ville. Il faut savoir qu'entre 1530 et 1780, il y a eu au moins 1 million de chrétiens blancs asservis par les musulmans de la côte barbaresque. L'esclavage des Blancs et la mainmise sur la Méditerranée furent les principales causes du débarquement. Et le fameux coup d'éventail du dé d'Alger sur le consul de France Deval pour une dette de blé non payée par la France n'a été qu'un prétexte pour ce débarquement. Après plusieurs jours de difficiles combats contre les troupes turques qui font près de 500 morts et quelques 2000 blessés chez les Français, Hussein Dey négocie et s'incline le 5 juillet 1830 contre la Bissau pour lui et ses janissaires.
Cependant, la France garantit la pratique de l'islam et le choix de leur statut. Le Dey embarquera pour Naples à bord de la frégate La Jeanne d'Arc avec ses 55 femmes et tous ses trésors. Quant aux troupes turques, elles quittent l'Algérie avec tous leurs biens pour l'Asie mineure. L'armée française s'empare de plusieurs villes, dont Oran, Arzeux, Bonn. Mais en 1832, un jeune chef arabe de 24 ans, nommé Abdelkader, se proclame émir et va mener plus tard une guerre sainte contre les Français à la tête de sa puissante smala, composée de milliers de cavaliers. Après une alternance de succès et d'échecs, Abdelkader fait sa soumission au général Lamoricière le 23 décembre 1847. Cette côte barbaresque a connu plusieurs noms avant que la France donne officiellement celui d'Algérie le 14 octobre 1839. Avant, l'envahisseur arabe, il y a eu l'envahisseur vandale, il y a eu l'envahisseur romain, et avant eux, il y a eu l'envahisseur berbère. Et avant eux, il y avait des populations qui venaient d'onde ces eaux qui s'appelaient les atlantropes. Nous sommes des éléments extérieurs à l'Algérie, comme tous les autres avant nous l'ont été. Trois départements français sont créés. Oran, Alger et Constantine. Pendant que la pacification se poursuit, les militaires commencent à structurer le pays. Il y a tout à faire en Algérie. À partir de 1848, la France envoie en Algérie 12 000 ouvriers républicains organisés en 17 convois. Le premier convoi de colons, composé de 843 personnes, qui va fonder Saint-Cloud en Algérie, quitte Paris le 8 octobre à bord de 6 péniches. Quand on n'a que l'amour. À leur arrivée sur le sol d'Afrique, ces colons se trouvent confrontés aux dures réalités. Il n'y a pas de route. On traverse des marécages au risque de s'y perdre. Arrivés à destination, l'armée les entasse sous des tentes ou des baraques en bois, parfois à même la terre. Le paludisme, le choléra ou le typhus s'abat sur eux, ce qui entraîne de véritables hécatombes. Par exemple, dans le Constantinois, 2 colons sur 3 succombent avant même d'avoir touché la pioche ou la charrue. Il y avait des gens qui venaient de Pologne, de Russie, les Alsaciens lorrains, les Italiens, les Maltais, les Espagnols, dont je suis originaire. C'était ça l'Algérie. Si certains gros financiers étrangers s'enrichissent sur le sol africain, ces colons composés de petits fonctionnaires, exploitants agricoles et commerçants se mettent à bâtir l'Algérie. La France est arrivée, notamment dans ce qu'était cette côte. Elle a commencé à construire tous les ports. Beaucoup de petits villages du bas de l'Espagne se sont complètement vidés pour arriver en Oranie. Or, c'était des pêcheurs, c'était des pauvres gens, ils n'arrivaient pas les poches pleines. Contrairement à certains autres pays qui ont massacré la population pour prendre possession de leurs terres, la France, elle, a soigné, grâce à ses médecins, ses habitants du Maghreb. Entre autres, ces colons ont asséché les marécages, en particulier ceux de la Mitidja, au prix de nombreux morts, pour en faire la plaine la plus fertile d'Algérie, qui produira fruits et légumes. Elle a su aussi respecter la langue arabe et la religion, ce que n'ont pas fait les Arabes, forçant les Kabyles chrétiens à s'islamiser. En 1848, la France proclame l'Algérie partie intégrante du territoire français. Mais beaucoup de régions restent encore en rébellion, dont la Kabylie et le Sahara. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que la totalité du territoire algérien actuel est conquis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est en Crimée que les supplétifs de l'armée régulière se distinguent par leur courage dans de nombreux combats. Ils étaient les premiers soldats vaillants et combattants qui, lors de la conquête d'Algérie,
s'étaient opposés à l'armée française pour la rejoindre par la suite. Ils étaient composés de spahis, de zouaves et de tirailleurs. 1914, la guerre éclate et durant celle-ci, les indigènes et les Européens d'Afrique du Nord, représentant 25 divisions, sont engagés dans les offensives les plus dures et les plus meurtrières et se battent vaillamment sur tous les champs de bataille. Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais sur Dakar. Cette agression, dirigée par l'ex-général de Gaulle, traître à la patrie, a échoué grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Après cet acte révoltant, nous recevons enfin le reportage filmé des combats qui ont été livrés à Mels Er Kébir, près d'Oran. Prends le bas de combat. Les ordres se succèdent. De Gaulle, il a été le complice de Churchill dans l'assassinat de 1300 marins français et la destruction de notre flotte, qui n'avait jamais été battue. Ce sont nos alliés qui ont écrasé donc cette flotte. Voilà les victimes de l'agression la plus répugnante et la plus ignoble qui ait jamais été commise. Dès 1942, seule l'armée d'Afrique se bat aux côtés des Alliés contre les Allemands en Tunisie, puis se distingue durant la campagne d'Italie, particulièrement lors des combats meurtriers autour de Monte Cassino, qui contribue au repli des troupes allemandes au prix de lourdes pertes. L'armée d'Afrique délivre Rome et la Corse. Le 15 août 1944, elle débarque sur les côtes de Provence. Elle participe à la libération de Toulon, Marseille. Elle passera par Dijon, Belfort, où elle livre les plus dures batailles. Elle libère un tiers du territoire métropolitain jusqu'au Rhin, poursuivant ensuite jusqu'au Danube. Cette armée d'Afrique est forte de 400 000 hommes, dont 233 000 indigènes africains, et de 175 000 Européens originaires d'Afrique du Nord. Le 8 mai 1945, le jour même de la victoire contre le nazisme, Sétif, fief de Ferhat Abbas, va connaître de violentes émeutes. Plusieurs manifestations sont programmées et la population européenne s'apprête à y participer dans la joie et l'euphorie. Mais ce jour de l'armistice a aussi été retenu par les frères musulmans prêchant la révolte contre les chrétiens sous l'égide d'Al-Husseini, grand mufti de Jérusalem, de Ferhat Abbas, le modéré, et Messaliadj, le leader nationaliste plus radical, emprisonné à Brazzaville au Congo. Les musulmans demandent l'autorisation d'organiser un défilé, ne voulant pas se mêler à celui prévu officiellement. Les autorités civiles, dépassées par les événements, mais parfaitement informées de l'imminence d'une insurrection, autorisent cependant cette manifestation, sous réserve qu'aucun autre drapeau que celui de la France ne soit déployé et qu'aucune arme ne soit portée. Toutes les autorités civiles et militaires étaient au courant que le lendemain, il allait y avoir de graves incidents. Les meneurs de l'insurrection ont bien préparé leur action. Ils savent que l'Algérie est vidée de ses hommes valides, qui sont mobilisés, que les effectifs de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont réduits, que la population européenne, tout à la joie de fêter la victoire, devient une proie facile, car sans défense. Donc il restait à Sétif les vieux, les vieilles, les femmes, les enfants et quelques réformés. De tous les quartiers arabes et des douars environnants afflue une impressionnante foule d'indigènes. En tête, environ 250 scouts en tenue entament des chants nationalistes et pour la première fois, on voit apparaître un drapeau vert et blanc, emblème de l'indépendance ainsi que des pancartes hostiles à la France. Le commissaire Olivieri reçoit l'ordre de stopper le cortège et de saisir ce drapeau et ses bannières séditieuses. Il est pris à partie par la foule. Pour se dégager, il sort son pistolet et tire un coup de feu en l'air. Tout va très vite. L'insurrection éclate. Le maire, M. Delucas, qui tentait de rétablir le calme, est abattu. Des tirs sont échangés entre policiers et manifestants. La masse des indigènes s'engouffre dans toutes les rues en criant « Mort aux chrétiens !» Les pauvres Européens, qui ne trouvaient pas un abri, étaient massacrés, égorgés, lardés de coups de poignard dans le ventre, assommés de coups de bâton sur la tête, c'était un massacre épouvantable.
J'ai vu de mes yeux quelqu'un se faire assassiner dans une auto. Et nous, comme on avait 15 ans, des filles, on s'est mises à hurler, on a eu peur, on a crié au lieu de se taire et de se cacher dans le jardin. Et ils nous ont entendus. Alors, ils sont partis derrière nous et ils nous ont rattrapés à la course. Ils nous ont tapé dessus. Ils nous ont tapé dessus à coups de bâton, à coups de ferraille. Mon épouse a reçu des coups sur la tête, c'était grave. Et son frère a été grièvement blessé également. Moi, j'avais une tête qui avait doublé de volume. J'avais des cousines qui étaient pleines de sang. Elles auront la vie sauve grâce à l'intervention rapide de quelques personnes qui mettent en fuite ces hordes barbares qui laissent derrière elles un spectacle abominable. C'est des images qui me sont restées depuis mes 17 ans, de voir ces cadavres abandonnés, gisant dans leur sang, massacrés, méconnaissables. Les militaires appelés en renfort ont un ordre bien précis. L'ordre était donné aux militaires de ne faire usage de leurs armes que s'ils étaient attaqués. C'est très clair. Donc sans tirer un seul coup de feu, vous m'entendez? L'armée n'a pas tiré un seul coup de feu à Sétif. Ils font fuir les manifestants. L'insurrection se propage dans l'est du Constantinois, principalement à Guelma et Kerata. Des dizaines de milliers d'indigènes fanatisés à l'appel du djihad, guerre sainte, encerclent les villages. Les fermes isolées sont pillées et brûlées. Près de 800 musulmans fidèles à la France sont sauvagement assassinés. Ils mettent la région à feu et à sang. Face à ces actes de barbarie et voulant éviter que ces émeutes ne s'étendent sur toute l'Algérie, Charles Tillon, ministre de la guerre dans le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle et principal dirigeant du Parti communiste français, ordonne aux troupes de rétablir l'ordre. Le général Duval avec les Sénégalais ont rétabli l'ordre et c'est vrai qu'après, effectivement, il y a eu aussi des morts côté musulman, c'est indéniable. Une chasse sans pitié est livrée contre la population indigène qui se réfugie dans les montagnes, loin des Mechtas qui sont bombardés. Des milliers de musulmans sont arrêtés. Officiellement, les autorités françaises estiment que le drame aurait fait 123 victimes européennes et 1500 victimes musulmanes. Il semblerait, d'après les témoins, qu'un chiffre entre 1500 et 3000 morts chez les indigènes, ce qui est déjà considérable, correspondrait à la réalité. C'est possible, c'est même probable, mais il n'y en a jamais eu 45 000. J'en veux pour preuve que s'il y avait effectivement eu 45 000 morts, les survivants auraient pu indiquer les charniers. Et c'était facile, à l'aide d'un bulldozer, de découvrir tous ces morts. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ces 45 000 morts n'existent pas. De ces douloureux événements qui ont déchiré l'Algérie, le général Duval tire lui-même la leçon en déclarant « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie. Il faut faire des réformes sérieuses. » La vérité, il y a eu quelques abus. C'est vrai qu'il y a eu des abus, comme dans tout pays, il y a des abus. Vous voyez, notamment après le décret Crémieux, par exemple, quand on a accordé la nationalité française aux Juifs, ben pourquoi, après 1945, on ne l'a pas accordé à tous ceux qui ont fait la guerre? Donc là, il y avait un problème. Et ce problème nous a échappé. Officiellement, le musulman d'Algérie est français, mais avec un statut particulier. Le premier collège leur permet de voter à la condition de renoncer à leur statut indigène dicté par le Coran. Le second collège, qui concerne la plupart des musulmans attachés à leur religion et à leur statut personnel, ne leur permet pas de voter. Il y avait là des portes qui étaient ouvertes et que les musulmans ont fermées. C'était déjà l'islam intégriste qui se dessinait. Il fallait faire les réformes tout de suite après le 8 mai 45. Alors après le 8 mai 45, qu'est-ce qu'a fait la France? La France, elle a dépensé des milliards en Algérie, elle a construit des écoles, elle a construit des bâtiments, des hôpitaux à tour de bras et tout ça. Mais non, ça n'a pas influencé. C'est sous ce contexte très particulier que l'Algérie reprend ses habits de lumière sous son divin soleil. Là-bas est une basilique abandonnée de ses croyants. Son nom est Notre-Dame d'Afrique, même loin nous l'aimons autant. Au temps de la belle Algérie, sous le soleil, les processions
les âmes fières, les cœurs ravis. D'aller vers Dieu, nous la chantions. Notre-Dame d'Afrique, protège tes enfants, les actions maléfiques, mon pays, nos parents. J'ai perdu ma mère lorsque j'avais pas encore 3 ans, ma soeur n'avait pas 2 ans, et nous avons été élevés par une femme arabe, Zora, Boumerdassi, c'était son nom, qui avait 2 garçons. Et je crois que tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette mère. Moi, je reverrai toujours le violet de mon Jebel Dis, cette baie d'Arzeux que j'aimais, ces plages qui s'appelaient les Sablettes, la Salamandre, où j'habitais Moussaganem, ce pays que j'aimais, c'est tout. Tu es près de nous maintenant, ton regard ira vers là-haut. Je rêve à l'Algérie. Je rêve, vous savez à quoi? Je rêve à mon cimetière. Je rêve au ciel bleu. Je suis dans un port où, au mois de mai, à cette époque-là, nous allions picher les cigales. C'est parti de plaisir fou qu'on avait à camper au bord de la mer, les petits pliants pour les pêcheurs, le parasol pour Mémé qui avait peur des coups de soleil. Elle nous faisait manger de l'ail pour que les moustiques ne nous piquent pas. Tout le monde jouait à la belote en trichant, on avait des fous rires pas possibles. Oui, je me souviens de ces moments très heureux, très heureux. Allant de tous les coins de France. En Algérie, j'étais très, très pauvre. Pas pauvre, très, très pauvre. Mais malgré cette pauvreté, j'adorais mon pays. J'ai grandi au milieu de la musique de la Légion, et pour nous, la Légion, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'était un milieu d'intégration comme il n'y a jamais eu. Il y avait à la Légion des gens qui avaient un passé, comme on dit. Un passé et plus d'avenir. Et quand ils allaient à la Légion, ils n'avaient plus de passé et on leur donnait un avenir. Dans les villages, petites villes comme Soukaras d'ailleurs, et c'était nos premiers débuts vis-à-vis des jeunes filles, des contacts. D'ailleurs, on voulait danser, pas tellement danser, on n'aimait pas tellement la danse. Par contre, on aimait bien avoir une poitrine contre poitrine. Voilà, c'était tout simple, idiot, mais bien quand même. Il y avait la grand-mère, les oncles, le père, la maman, enfin, mais ça ne m'empêchait pas de sortir. Bien sûr, on ne pouvait rien faire. Hein. On inventait des scènes d'amour qui n'existaient pas. Ma mère et mon père me disaient toujours, attention, dans la ville, de ne pas me déshonorer. Et toujours, je demandais aux copains, qu'est-ce qu'ils veulent dire mes parents, pourquoi les déshonorer? Ben, si on couchait avec une fille, qu'on lui faisait un gosse, c'était déshonorer, pas seulement la fille, mais notre famille. Alors on était dressés, mais vraiment bien. Hein. Tipaza, hein. Puis je vais vous dire que tous les gens qui ont vu Tipaza adorent Tipaza, de toute façon. C'est magnifique. Alors que la guerre d'Indochine vient juste de se terminer,
Le 1er novembre 1954, des maquisards du FLN déclenchent de nombreux attentats dans diverses régions de l'Algérie. Plusieurs soldats et civils sont tués. Cette guerre d'Algérie durera 8 ans pour aboutir à son indépendance. L'origine de cette guerre se retrouve dans certaines inégalités politiques, économiques et sociales entre les Européens et les musulmans, mais aussi et surtout par une volonté farouche d'indépendance d'une minorité au nom de l'islam. En 1954, près de 8 millions de musulmans cohabitent avec 1 million d'Européens, où chacun respecte les coutumes et les religions de l'autre. Les dissidents extrémistes du MNA, Mouvement Nationaliste Algérien de Messali Hadj, créeront au Caire en octobre 1954, avec notamment Ben Bella, le FLN, Front de Libération Nationale, qui proclame une volonté de lutter pour une indépendance totale. Il engage alors une action de guérilla sur tout le territoire contre la présence française et use de méthodes terroristes d'une extrême violence. Le FLN dispose d'un bras armé, l'ALN, Armée de Libération Nationale. Le Maroc et la Tunisie servent de base arrière. Le FLN n'est soutenu que par une infime partie de la population musulmane et par quelques hommes politiques français, en général d'extrême gauche, dont certains deviendront des porteurs de valises. Pour lutter contre ce terrorisme, François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, fait appel aux contingents et aux réservistes forts de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Personne ne pense, que ce soit en France ou en Algérie, qu'une guerre venait d'éclater. Dans l'Aurès encerclé, les opérations de ratissage se poursuivent. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Durant ces premières années, les attentats et assassinats vont secouer l'Algérie. Le FLN brûle les écoles, les fermes, sans détacher le bétail. Des cars sont attaqués et détruits, laissant au sol des cadavres affreusement mutilés et égorgés. Nous menions une guerre, on ne peut pas dire toujours vraiment d'une propreté exemplaire, mais nos adversaires, eux, menaient une guerre vraiment d'une manière abominable. Les testicules dans la bouche de nos camarades, les éventrements, les femmes violées, mutilées, vraiment c'était horrible. Les yeux crevés, enfin, c'est indescriptible et je dois dire que ce n'était pas le même combat. Il faut plonger jusqu'au fond de l'horreur. Jeter un regard sur ces restes effroyables qu'on n'ose pas découvrir tout à fait. Sur ces chairs arrachées à coups de serpe ou à coups de rasoir. Sur ces cadavres dépecés comme de la viande de boucherie. L'horreur, ici, arrête les mots dans la gorge. C'était des gens qui ne respectaient rien. Ils ont égorgé des femmes, des enfants. Ils ont éventré des femmes enceintes. Ça, moi, je l'ai vu à l'âge de 7 ans. Mon épouse a eu ses deux frères, Paul et Henri Couturier, 14 ans et 18 ans, enlevés, gardés pendant 2 mois dans les djebels par les Felaga. On les a trouvés attachés après un arbre avec du fil de fer, le ventre ouvert, les tripes pendant aux pieds, égorgés et émasculés. 14 ans et 18 ans, ils n'avaient jamais rien fait. Devant une telle barbarie, François Mitterrand n'hésite pas à clamer que l'Algérie, c'est la France. Et il promet de tout mettre en œuvre pour arrêter les hors-la-loi. Après les Aurès, la Kabylie est passée au peigne fin. Tout musulman est suspect. Cela n'empêche pas la cadence des sabotages et assassinats. Les soldats français récupèrent des milliers d'armes et de munitions dans des caches, mais aussi à bord de navires. Cette guerre qui n'a pas de nom dépasse les Aurès et la Kabylie pour s'étendre sur toute l'Algérie. En janvier 1955, Jacques Soustelle est nommé gouverneur général d'Algérie. Les effectifs de l'armée sont portés à 100 000 hommes.
Le FLN évite les batailles rangées et s'en tient à des massacres de civils, essentiellement des musulmans, favorables à la France. Le 20 août 1955, dans tout le Constantinois, des groupes d'émeutiers se soulèvent. À El Alia vivent paisiblement ensemble 130 Européens et 2000 musulmans. Alors que ces hommes travaillent à la mine de pyrite, vers midi, des Felagas dirigés par Zigout Youssef envahissent le village. Le moment est bien choisi. Ils opèrent avec un synchronisme remarquable et c'est un inqualifiable carnage. Ils pénètrent dans les maisons pour tuer. Ces familles sont pratiquement toutes exterminées. Les rebelles saccagent, dévalisent, violent femmes et fillettes avant de leur ouvrir le ventre vivante devant les hommes qui seront ensuite assassinés. C'était des mineurs, de simples ouvriers. Ils ont été massacrés comme des... pas comme des animaux, pire que des animaux. Ces massacres effroyables résultent des nouvelles consignes du FLN qui a échoué dans sa tentative de mobiliser massivement les Français musulmans d'Algérie contre la France. Il vise aussi les nationalistes modérés type Ferhat Abbas dont le neveu sera égorgé à Constantine pour l'exemple. Ferhat Abbas a compris qu'il n'est plus possible d'envisager un processus normal d'indépendance et rejoint le Caire. Le gouverneur général, Jacques Soustelle, venu en Algérie pour trouver une solution politique, assiste à l'enterrement des victimes et décide qu'on ne peut plus discuter avec ces gens-là. En février 1956, Jacques Soustelle est remplacé par Robert Lacoste, qui affirme qu'à la cruauté, la France répliquera par la force. Mais le 18 mai, l'Algérie sera encore bouleversée par l'embuscade tendue par le FLN dans les gorges de Palestro, où 19 jeunes appelés, arrivés seulement depuis une semaine, sont affreusement massacrés et mutilés. Des soldats ont été tués, le sous-lieutenant qui les commandait a été tué, et ça a été une véritable honte que l'armement qui a été utilisé avait été volé quelques jours auparavant par des Français à des soldats français. Alger connaît à son tour, en octobre 1956, les attentats à la bombe. Les principales victimes, des enfants. Et il y a eu comme un choc plutôt, comme un souffle qui m'a projetée et je me suis retrouvée sur le trottoir. À côté de moi, il y avait une petite fille et je me suis penchée. Elle était beaucoup plus jeune que moi encore. Et elle avait ses jambes, enfin ses jambes n'existaient plus. Le mode d'action le plus cruel, le plus inhumain et aussi le plus lâche utilisé par les rebelles pour frapper l'opinion est le terrorisme urbain. Moi j'en veux au FLN, pas au peuple algérien. C'est très simple, je suis très clair. Moi j'en veux aux gens qui ont tué, assassiné, qui ont mis des bombes. Ça c'est des saloperies, Ce sont des gens, ce n'est pas des hommes pour moi, ou des femmes, parce qu'il y a des femmes. Dans la nuit du 28 au 29 août 1957, à Melouza, un petit village de familles musulmanes, le FLN perpètre un massacre qui demeure dans l'histoire, tant il est révélateur de ce qu'est la guerre d'Algérie. Il y avait des villages entiers, des zones entières, qui étaient aux mains du MNA et endoctrinés. Ces gens ont effectivement commencé par éliminer toute opposition à leur doctrine des FLNistes et au prix du sacrifice de tous ces innocents qui ne partageaient pas leur cause. C'est le terrorisme. À Melouza, 315 musulmans sont assassinés à la hache, à la pioche et au couteau. À Alger, les attentats sèment toujours la terreur. J'aurais dû mourir, moi, en Algérie, lors de la bombe du casino de la Corniche. Je devais y aller avec un ami. Il s'appelait Yves Garino. Et au dernier moment, il était malade, on n'y est pas allé. Nous devions nous trouver à côté de l'orchestre. Et la bombe était sous l'estrade. Tout a pété, l'orchestre a été décimé complètement. Il n'y a eu que des morts. En représailles, des civils français procèdent à des ratonnades dans Alger. On arrivera dans cette guerre à un point de non-retour. Le général Raoul Salan est nommé commandant en chef des armées. La police défaillante est remplacée par les militaires. Il est là-bas en Algérie, un régiment dont les soldats
la 10e division de parachutistes du général Massu est chargée du maintien de l'ordre à Alger. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Les trolleybus d'Alger sont soigneusement passés au crible. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois. C'est le début de la bataille d'Alger. De nombreux dirigeants du FLN sont faits prisonniers. Devant la recrudescence d'attentats à la bombe contre des civils et des militaires, on procède à des interrogatoires musclés, notamment la GIGN, pour arracher des renseignements et éviter d'autres victimes. Après l'annonce du FLN de l'exécution de 3 prisonniers militaires français en Tunisie, l'indignation des Algérois est à son comble. À Alger, les Français d'Algérie marchent vers le gouvernement général. En quelques heures, ils prennent le gouvernement général. À ses chefs et d'abord au général Salan. Les gaullistes s'emparent de ce mouvement populaire pour ramener De Gaulle aux affaires politiques. Sous la pression d'un coup d'état militaire préparé par les gaullistes, le président Coty se voit contraint de faire appel à De Gaulle pour constituer un nouveau gouvernement. De Gaulle obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois et se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. À Alger, un comité de salut public est créé sous la présidence du général Massu et l'on commence à crier le nom de De Gaulle. Je remontais pas un côté qui s'appelait Sigüenza, d'origine espagnole. Il habitait pas bien loin de la rue Thème. Il se retourne vers moi et fait « Nous sommes lésés » avec un B majuscule. Tout était préparé d'avance. À Paris, sur les Champs-Élysées, on manifeste pour l'Algérie française. Le 4 juin 1958, De Gaulle se rend à Alger. Il plonge dans l'euphorie de toute cette foule venue l'acclamer, où les musulmans sont aussi nombreux que les Européens. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Quand soudain, je me retourne, elle se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Je me suis disputé avec mon père. Mon père m'a dit ceci quand il m'a vu partir avec des musulmans, le drapeau français, Algérie française. Mon père m'a dit, tu le regretteras. Et j'ai dit à mon père, enfin, écoute, c'est pas possible. Là, on a le sauveur, la personne qu'il nous fallait. Mon père m'a dit, non, tu le regretteras. On est dans un rare moment de grâce où tout est possible, mais nul ne prend garde au malentendu niché dans une petite phrase de De Gaulle. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. 2 jours plus tard, à Mostaganem, devant une foule composée en grande partie de musulmans, il termine son discours par ce cri tant attendu. Vive l'Algérie française ! C'était une chose extraordinaire. La guerre durait depuis 4 ans et les gens, les autochtones comme les pieds noirs, en avaient assez. Et quand ce 13 mai a éclaté, qu'on a vu arriver le général De Gaulle, tout le monde a dit « enfin c'est la paix ». Et on a vu des félagas agiter le drapeau français dans leurs repères, des félagas venir remettre leurs armes, on a vu des femmes brûler leurs voiles, on a vu des gens venir des villages autochtones avec des drapeaux français venir embrasser, malgré les consignes de boycott du FLN, enfin, il y avait un miracle.
Grâce à cet incroyable élan fraternel du Forum d'Alger, après 12 années de traversée du désert, De Gaulle reprend le pouvoir. Le 5 octobre 1958, c'est la naissance de la 5e République. Le 21 décembre, De Gaulle est élu président de la République. La bataille est en voie d'être gagnée sur le terrain, mais De Gaulle s'adresse au pays le 16 septembre 1959. L'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible. Il propose trois solutions, dont la sécession. La guerre d'Algérie était gagnée par l'armée française et De Gaulle a capitulé devant le FLN, c'est tout. Mais de toute façon, il voulait détruire ce combat, il voulait détruire cette victoire. Manifestement, De Gaulle était pour une Algérie algérienne. Bien avant son arrivée au pouvoir, il ne veut pas d'une Algérie française. En outre, le 22 janvier 1960, le général Massu, très apprécié des Algérois, est rappelé à Paris par De Gaulle pour l'avoir critiqué dans une interview donnée dans un journal allemand. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le 24 janvier, Alger s'enflamme. Un camp retranché s'installe au centre d'Alger, au nom d'Algérie française, avec l'espoir de faire basculer l'armée dans le camp des Français d'Algérie. Pierre Lagaillarde, député d'Alger, prend la tête du mouvement insurrectionnel aux côtés de Jo Ortiz. Véritable coup d'État, c'est la semaine des barricades. Les Français s'insurgent contre la politique d'abandon de De Gaulle. De Gaulle demande alors aux gendarmes mobiles d'intervenir avec la plus grande fermeté. Au final, de part et d'autre, il y aura 22 morts et 150 blessés. Le 1er février 1960, le soulèvement s'effondre. Pierre Lagaillarde se rend. Jo Ortiz s'enfuit en Espagne. Au procès des barricades, le témoignage du capitaine de la Bourdonnais, confirmé par le colonel Godard, dévoilera le tir des gardes mobiles dans le dos de leurs camarades et provoquera l'acquittement de tous les accusés présents au procès. Le 10 juin 1960 au soir, les chefs rebelles du FLN, Si Salah, Si Mohamed et Lakhdar, se rendent à l'Élysée pour proposer la paix des braves chère à De Gaulle. Si Salah, avec les autres chefs en Algérie, avait décidé carrément de se séparer, de faire la scission et de négocier une paix en Algérie qui consistait à garder, bien sûr, tous ses habitants, y compris les harkis, en place et de faire la paix. Si Salah a été reçu par le général De Gaulle en personne à l'Élysée en juin 60, on ne sait pas trop ce qui s'est dit avec le général De Gaulle, mais toujours est-il que deux jours après cette entrevue, le général De Gaulle a fait une offre publique de paix au GPRA. C'est-à-dire qu'il a, trahi. À la fin de l'entretien, impassible, De Gaulle refuse de leur serrer la main. Si Salah, en s'adressant à De Gaulle, avait signé son arrêt de mort. Nous avons tué les meilleurs du FLN. Je pense en particulier au colonel Si Mohamed, qui participait à cette opération, on l'avait neutralisé. Il avait été reçu à l'Élysée avec d'autres personnes et il voulait établir une paix des braves. Et De Gaulle ne l'a pas accepté. De nombreux officiers français en voudront à De Gaulle de n'avoir pas su utiliser cette exceptionnelle occasion de paix, car jamais la France n'était passée aussi près de la victoire. Général De Gaulle, d'ailleurs je le dis dans mon livre, je ne l'attaque jamais. Je dis simplement ce qu'il a fait. La fin du fin, c'est qu'il a, il avait l'occasion de faire la paix avec des gens qui nous étaient favorables et qu'il a donné l'Algérie à nos pires ennemis. La guerre d'Algérie aurait pu se terminer en 1960 dans des conditions plus acceptables. De Gaulle entreprend alors des négociations avec le GPRA. Alger est sous haute surveillance. Et le 4 novembre 1960, De Gaulle s'exprime à nouveau à la télévision française. L'Algérie sera donc algérienne. Ce sont les Algériens qui auront à régler leurs propres affaires. Mais on est aux ordres de qui ? Aux ordres d'un homme qui disait « Allez-y, il faut gagner cette guerre et vous êtes en train de la gagner. Et jamais le drapeau vert du FLN ne flottera sur Alger. » Je l'ai entendu. Lui et Mesmer et bien d'autres, si on avait été un pays normal, on les aurait fait passer en autre cour martiale.
parce que nous étions victorieux sur le terrain. Le voyage de De Gaulle du 9 au 13 décembre provoque des émeutes meurtrières à Alger, Oran et Beaune. Aux manifestants européens opposés à l'indépendance projetée, le pouvoir, par le biais des sections administratives urbaines, mobilise des musulmans des Casbah pour descendre dans la rue crier « Vive De Gaulle !». Il en résulte de nombreux morts et blessés, qui aggravent la faille entre les communautés. De Gaulle aura fermé la porte pour l'Algérie française. Le 8 janvier 1961, le peuple français se prononce par référendum à 75% pour le droit à l'autodétermination de l'Algérie. De Gaulle a parlé, les Français l'ont écouté. Lâchés par De Gaulle et les métropolitains, les Français d'Algérie sont anéantis, mais ils placent encore leurs derniers espoirs parmi de grands généraux favorables à leur cause. C'est dans le même état d'esprit que quatre généraux, Challes, Jouhaud, Salan et Zeller, soutenus par d'autres officiers, décident d'organiser un putsch qui sera une tentative de coup d'État en réaction contre la politique du président de la République et son gouvernement, qu'ils considèrent comme une politique d'abandon de l'Algérie française. Le 22 avril, dans un élan désespéré, ces généraux se dressent contre De Gaulle et prennent le contrôle d'Alger. À Paris, c'est l'affolement. De Gaulle appelle le contingent à lui désobéir. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi! Le putsch est un échec. Challes et Zeller se rendent et sont incarcérés. Une voiture qui entre sans ralentir. Le général Challes s'est constitué prisonnier. Salan et Jouhaud plongent dans la clandestinité. De Gaulle prend les pleins pouvoirs en vertu de l'article 16 de la nouvelle constitution. Trois lettres se dressent sur les murs d'Alger. OAS, Organisation de l'armée secrète. Créé officiellement le 10 février 1961 en Espagne par Salan, Susini et La Gaillarde. Se sentant abandonné par la France, une grande partie de la population adhère à l'OAS, dirigée par le général Salan. Au tract distribué par le FLN, la valise ou le cercueil, l'OAS répondra « ni valise, ni cercueil, une patrie, un drapeau ». L'OAS était une cellule bien organisée, comme j'ai connu, à Foucamarine. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, ils se renseignaient avant de faire quoi que ce soit, et puis ils agissaient. J'avais des ordres, et ceux que nous avons tués, c'était des gens du FLN, des porteurs de valises. Je me suis considéré comme un résistant de l'Algérie française tout le temps. Mon métier, c'est de ne pas tuer des hommes, c'est de les soigner. J'en avais cette conviction. Mais du jour où je tue des hommes et où je fais tuer des hommes, ce qui est beaucoup plus grand d'engager des hommes à en tuer d'autres, c'est pour quelque chose. Je ne veux pas qu'on me le fasse faire pour rien. Je veux le faire pour sauver cette terre, cette putain de terre. L'OAS devient le terrorisme du désespoir par ses attentats et assassinats de plus en plus violents et de moins en moins sélectifs, ce qui lui donne une mauvaise image. Si vous voulez, il y a une mauvaise image de l'OAS. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne partenaient pas à l'OAS, qui ont fait des actes qui étaient défendus par l'OAS. Vous avez des gens qui s'intitulaient OAS et qui faisaient des ramassages de fonds, qui faisaient des hold-up. Mais il faut savoir que le général Salan avait interdit les plasticages. Il faut savoir que Jean-Jacques Susini avait décrété que tout Européen en train de faire une ratonnade était fusillé sur place. Une guérilla urbaine est engagée entre l'OAS et le FLN, qui est appuyée par les forces gaullistes de l'armée française en Algérie et en métropole. Assassinats et plasticages ne se comptent plus à Alger. Le 8 septembre 1961, De Gaulle échappe à un attentat de l'OAS à Pont-sur-Seine. Cette fois-ci, l'État français est bien décidé à neutraliser les partisans de l'Algérie française. Michel Debré, qui était partisan de cette Algérie française, suit maintenant la politique d'abandon de De Gaulle.
Le gouvernement décide d'envoyer, en plus des gendarmes mobiles et des CRS déjà sur le terrain, des brigades spéciales anti-OAS, les barbouzes. Ces barbouzes sont composés de policiers marginaux et de repris de justice. Ils ont pour mission de faire du contre-terrorisme, des plastiquages, prendre des renseignements et réaliser des interrogatoires au cours desquels la torture est utilisée. J'étais torturé par des barbouzes à la caserne des Tagarins. J'ai été sévèrement, très sévèrement interrogé, coup de pied dans les blessures, etc. Les membres de l'OAS, rejetés par les métropolitains, sont pourchassés sans répit par les forces gaullistes. Le 17 octobre de cette même année, une manifestation pacifique du FLN qui était interdite a lieu dans la capitale. Des dizaines de milliers d'Algériens défilent contre ce couvre-feu instauré suite aux nombreux assassinats par le FLN de policiers, de civils français et de musulmans. La répression est brutale. On compte plusieurs morts et blessés et environ 10 000 arrestations. Début mars 1962, c'est l'ouverture des négociations officielles entre le FLN et la France qui aboutissent à la signature des fameux accords d'Évian. Il ne s'agit pas d'un traité entre deux États, mais d'un engagement unilatéral qui ne sera en fin de compte respecté que par la France. Les accords d'Évian, c'est les honteux, funestes accords d'Évian. On a été vendus. C'est une trahison. Au moment où nous avons signé les 10 accords d'Évian, nous avions en Algérie 3000 garçons du FLN répartis de la frontière tunisienne à la frontière oranaise, cachés dans les roches et les grottes et qui ne pouvaient plus pénétrer dans les villages. La guerre était gagnée. La guerre militaire était gagnée. Voilà ce qu'a signé un général français, si tant est qu'il fut général. Le 19 mars 1962, l'annonce officielle du cessez-le-feu en Algérie est proclamée. À Bab El Oued, c'est la colère et une fusillade éclate entre militaires et civils. Il y avait un commando OAS qui voulait désarmer les militaires qui patrouillaient. Il y a eu un mouvement de panique dans un camion, un coup de feu, et puis donc on s'est mis à tirer. Il y a eu des soldats, des militaires tués. Pendant 4 jours, mitraillés de toutes parts, le peuple de Bab El Oued est isolé du reste du monde, sans ravitaillement et sans soins. Les soldats s'acharnent sur la population de Bab El Oued. Ils ont fait la vengeance, ils se sont comportés comme des brutes. Les avions n'hésitent pas à tirer sur les immeubles où se terrent femmes et enfants affolés. Bab El Oued va vivre un véritable cauchemar. Le lendemain du siège de Bab El Oued, on a frappé à ma porte et un oncle venait m'apprendre que mon beau-père avait été tué et que ma jeune belle-sœur de 15 ans avait pris une balle de fusil mitrailleur dans la hanche. L'appartement est entièrement coupé en deux par des rafales. Ce qui me rend fou, cet homme, le père de ma femme, qui a fait 5 ans et demi de guerre, de prisonnier, il a été tué par de la France. Ça, pour moi, c'est la chose la plus injuste qui puisse exister. Alors que le 25 mars, le général Jouot est arrêté à Oran, le lendemain, dans la matinée, le colonel Vaudrey et son équipe distribuent un tract appelant la population à une manifestation pacifique pour délivrer Bab El Oued. À Alger, toutes les rues sont bouclées. La foule est canalisée au plateau des Glières vers la rue d'Isly et Bab El Oued. Une grande partie de la foule passe devant les tirailleurs. Et on est passé. Donc on a crié notre joie, l'armée avec nous, on était contents. Et on a commencé à avancer. Le lieutenant Houchen, sur ordre, referme le barrage. Quelques centaines de personnes sont prises dans la nasse. La tension monte. Les tirailleurs sont extrêmement nerveux et menaçants. Le lieutenant Houchen avertit le sergent de se préparer à tirer. C'est un ordre. Brusquement, une rafale de FM retentit devant l'agent Savas. Alors,
L'inimaginable se produit sur une population pacifique. C'est une hécatombe, un massacre. Tout le monde criait halte au feu. Les soldats étaient ivres de poudre, ils tiraient sans arrêt, sans discernement. Et les soldats donc poursuivaient les gens pour les abattre. J'étais face à 10 mètres du fusil mitrailleur. À un moment donné, j'ai crié, j'ai gesticulé en disant halte au feu. Et il m'a visé et il a percé la poche de ma veste. Et j'ai vu un crâne exploser, mais carrément exploser. Et j'ai vu la cervelle descendre lentement le long du mur en suivant le bonhomme qui s'effondrait. Les soldats hystériques tirent des rafales sur les gens qui fuient. Les gens à terre sont achevés à bout portant. J'ai même vu des blessés. Le docteur Massona qui venait secourir un blessé qui a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il était à genoux en train de soigner un blessé. Et je revois encore sur les marches d'escalier de la Grande Poste des gens qui s'écroulaient les uns sur les autres. Tout le monde criait, tout le monde s'enfuyait dans tous les sens en se demandant ce qui arrivait, parce qu'on s'attendait à... C'était une manifestation tout à fait pacifique, quoi. Mon mari, il a été tué d'une balle dans la nuque. Il était ingénieur chez IBM. Alors il est arrivé mourant. Comment je me suis retrouvée à cet hôpital, je n'en sais rien. Avec les morts et le sang et par terre et les gens qui hurlaient... Vous ne pouvez pas vous empêcher de hurler. Tout est confus dans ce drame et on accuse l'OAS d'avoir provoqué cette fusillade par des tirs en direction des soldats. On est allé à la rampe Bugeaud où il y avait des soldats qui bouchaient l'avenue. Et je les ai questionnés. J'ai demandé si on leur avait tiré dessus, ils m'ont dit que oui. Alors j'ai dit, bon, ben, avez-vous des blessés? Ils n'en avaient pas. J'ai dit, alors montrez-moi les impacts de balles sur la route ou sur le mur derrière vous. On n'a trouvé aucun impact de balle sur la chaussée, aucun sur les murs. Ce qui veut dire qu'on ne leur a pas tiré dessus. Une population qui manifestait pour soutenir la population de Babeloued, qui manifestait pacifiquement, a été mitraillée dans le dos par des troupes qui avaient l'ordre de tirer pour disperser la manifestation. Un ordre qui venait d'où ? Du gouvernement français, était dirigé, qui avait un président, un premier ministre. Vous trouvez ces noms dans n'importe quel journal de l'époque. Au soir du 26 mars 62, De Gaulle s'adresse aux Français en leur demandant de voter oui à l'imminent référendum portant sur l'autodétermination de l'Algérie. Il ne fera aucune référence aux 80 morts, 200 blessés et disparus de cette tragique journée. Il n'y aura aucune commission d'enquête et un jugement de non-lieu sera prononcé en 1966. Le 8 avril 1962, un référendum sur l'autodétermination en métropole sera approuvé par les Français à 90,7% des suffrages exprimés, les Français d'Algérie étant écartés de ce scrutin. On jouait notre sort en Algérie, on n'a pas eu le droit de vote. Quand il s'est agi de choisir le sort de l'Algérie, la France ne s'en est pas offusquée. Tout ce qu'a fait De Gaulle a été anticonstitutionnel. Le référendum sur l'indépendance de l'Algérie a lieu le 1er juillet. Il sera approuvé à 99,72%. Cela a comme conséquence l'abandon par la France et le massacre par le FLN de dizaines de milliers de Harkis ayant combattu pour l'Algérie française. Les Mohazni, les Harkis, les tirailleurs, les appelés, ils connaissaient tout. Ils connaissaient les populations, ils connaissaient le terrain. Ensuite, j'étais au commando Georges. Alors là, c'était que des Harkis. Ils étaient 250. Et tous anciens Fellahs. Ils étaient révoltés contre les méthodes du FLN. Ces hommes, ces musulmans, sont des Morasni. Ils faisaient partie de l'armée française et étaient chargés d'assurer la sécurité des SAS. Que vont-ils devenir maintenant ? C'est la question qu'ils posent à leur lieutenant et à laquelle ce dernier ne sait pas encore répondre, d'où son trouble. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Pour rien. Je suivrai l'armée jusqu'à ce qu'ils me disent de la quitter. Pourtant, la France leur avait promis de ne jamais les abandonner. Et sur le drapeau français, je jurai à ces 3000 musulmans, la France ne vous abandonnera pas et vous protégera. Mes Harkis ont été assassinés, comme la plupart des Harkis,
J'en avais une cinquantaine, moi. Pendus et brûlés au pétrole, tous. Sans exception. Quel est votre sentiment ? Une blessure qui... qui n'a jamais été refermée. Vous en souffrez encore ? C'est un peu la honte de la France, non ? Oui. Les exactions qui ont été commises envers nos compagnons d'armes, les harkis. Ils ont près de 100 000... J'en ai des larmes aussi. Près de 100 000 ont été assassinés dans des conditions ignobles. Or, il y a 60 000 harkis qui ont été égorgés par les gens du FNL. Donc ça, c'est une vérité historique. Et heureusement qu'il y a beaucoup de militaires qui n'ont pas obéi à De Gaulle et qui ont rapatrié 50 000 harkis contre les ordres de l'armée française. Mesmer avait signé un ordre d'interdire à tous les officiers d'embarquer les harkis. Les pauvres couraient derrière des camions, on leur donnait des coups de crosse sur les mains pour ne pas les embarquer. Ça, c'est un génocide, avec la complicité de la France. Il ne faut pas hésiter de le dire. Le 20 avril, le général Salan est arrêté. Le massacre et les enlèvements par le FLN de musulmans et d'Européens se multiplient. Les villes sont aux mains des terroristes FLN. L'incendie des docks du port d'Oran est le dernier sursaut de l'OAS avant que ses commandos quittent l'Algérie fin juin 1962 et prennent la mer en direction de l'Espagne. Leur combat pour l'Algérie française aura duré 14 mois, celui du FLN 8 ans. À partir du 1er juillet, date du vote de l'indépendance, l'Algérie fête sa victoire. Afin de rassurer la population oranaise, enfermée depuis 4 jours, ordre est donné d'ouvrir les magasins et les bureaux et de reprendre le travail. Le 4, on s'est senti en sécurité puisque les gardes mobiles ou la gendarmerie est passée avec des haut-parleurs pour nous inciter à sortir. Ce 5 juillet à Oran, date anniversaire de la prise d'Alger par la France en 1830, des défilés de voitures surchargées de musulmans déferlent des quartiers arabes vers les quartiers européens. Ce défilé, qui se dit pacifique, s'organise avec des hommes presque tous armés. Les femmes dissimulant sous leur voile un couteau les accompagnent sous leur youyou. J'étais militaire le 5 juillet 1962 à Oran. Arrivé vers 10h30, 11h, les coups de feu ont été beaucoup plus nourris venant de la ville et une certaine effervescence dangereuse s'est manifestée autour de la caserne. Une chasse à l'européen commence, sauvage, systématique. On m'a arrêtée et je suis restée contre un mur pendant de longues heures. Je tremblais, j'avais les mains en l'air et je tremblais parce que je voyais qu'ils lynchaient les gens. Il y a une Fatma qui voulait me lyncher. Oui, elle disait « donne-nous-la, donne-nous-la » pour me lyncher, pour m'égorger. Les auxiliaires de l'armée algérienne emmènent les Européens prisonniers vers le commissariat central ou vers le Petit Lac ou la ville nouvelle où ils sont torturés, battus et tués. C'était une rafle, c'était la chasse aux Européens. Dans cette folie sanguinaire, quelques Arabes et Européens sauvent des vies et arrivent à délivrer des prisonniers. Heureusement que quelques soldats ont désobéi. C'est un Français d'origine musulmane, le capitaine Khelif, qui lui est sorti et a sauvé des dizaines et des dizaines de pieds noirs. Le général Katz téléphone à De Gaulle pour l'informer de l'ampleur du massacre. Le chef de l'État répond « ne bougez pas ». Katz obéit aux ordres de De Gaulle. Je crois que le général Katz était content que ça arrive. Il dit que les ordres, il les a reçus de De Gaulle de ne pas bouger, mais ça devait lui faire plaisir de ne pas bouger. On l'a nommé le boucher d'Oran parce qu'il a laissé la population française se faire massacrer par les Fellahs. On partait en courant, on voyait des cervelles par terre, on a vécu ça, quoi. Il y avait 14 000 hommes sur la région d'Oran, ils n'ont pas branché. Des jeunes pieds noirs qui étaient militaires ont été non seulement empêchés d'intervenir, mais on les a désarmés et on les a enfermés, l'armée les a enfermés pour qu'ils n'interviennent pas. Nous avons été faits prisonniers, nous avons été désarmés et nous avons été enfermés dans une chambre au secret jusqu'à 6h du soir. Quand nous sommes sortis de cette chambre,
Un silence troublant régnait sur les balcons où se trouvaient les gens qui nous appelaient au secours. Et nous avons su par la suite qu'ils étaient rentrés dans les immeubles. Voilà. J'ai manqué à mon devoir de soldat français. Pauvres gens. Pauvres Fritz. À 17h, après de nombreuses heures de massacre, on autorise enfin les soldats à sortir de leur caserne. Il est trop tard. Un silence impressionnant règne sur la ville. Des cadavres jonchent le sol. On trouve des Européens pendus au crochet de boucher, d'autres assassinés dans des poubelles. Les soldats français et algériens déversent par camion les cadavres dans le petit lac et les couvrent de chaux vives. Nul ne sait le bilan exact de cette terrible journée. Je le sais parce que j'étais au bureau exaction à l'ambassade. On nous dit toujours 3600 morts. Non, c'est faux. Il y a eu 3600, 3700 morts, mais il y a eu des centaines d'enlèvements par le FLN. Ce massacre d'innocents était prémédité, car les tueries commencèrent à la même heure aux quatre coins de la ville. C'était un mouvement qui était bien préparé pour effrayer les Européens d'Oran, principalement, et les faire partir. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants d'origine espagnole ont ainsi renoncé à faire partie de l'Algérie nouvelle au moment même où elle vivait les premières heures de l'indépendance. Conformément aux accords d'Évian, la France libère tous les poseurs et poseuses de bombes, les tueurs et les égorgeurs, alors que le FLN garde prisonniers en Algérie des centaines de soldats harkis et pieds noirs. Quant à ceux qui ont combattu pour garder l'Algérie à la France, ils seront pourchassés et emprisonnés, et pour certains, condamnés à mort. Je suis né à Alger, j'ai été sous-lieutenant de parachutiste, j'ai été blessé au combat, j'ai déserté, j'ai rejoint les rangs des résistants et des patriotes, j'ai rejoint l'honneur. J'ai été condamné pour cela et j'ai visité donc les geôles gaullistes de la santé de Fresnes de l'île de Ré. Mais alors qu'en Algérie se jouait le dernier acte, on jugeait à Paris un des acteurs du drame. De Gueldre, organisateur et responsable des commandos OAS d'Algérie, était condamné à mort par la haute cour militaire. Le De Gaulle a pris sa décision quelques heures seulement après le génocide du 5 juillet 62 à Oran, lequel génocide aurait pu l'inciter à la clémence. C'est ce qui est terrible dans cette affaire. Non. Non, De Gaulle n'accordera pas la grâce au lieutenant De Gueldre, qui sera conduit devant le peloton d'exécution. Les soldats ont été émus par le courage de De Gaulle qui est arrivé, le drapeau tricolore sur la poitrine, un drapeau du reste auquel il avait tout sacrifié et qu'il avait choisi comme un seul. Il s'est mis à chanter la Marseillaise, il a crié vive la France, les soldats émus par son courage hésitèrent à tirer. Mais De Gaulle, qui incarnait l'OAS, devait être exécuté. Au fort d'Ivry, 12 détonations retentissent. Sur les 12 balles censées avoir atteint De Gaulle, il y en a une seule qui a atteint son but, son objectif. L'adjudant, qui était chargé de donner le coup de grâce, quand il s'est aperçu que De Gaulle était toujours vivant, sa main s'est mise à trembler. Le pistolet se déchargea dans le vide. L'avocat aurait dû demander sa grâce. L'avocat a manqué à son devoir élémentaire, parce qu'il aurait dû aller vers le prisonnier. Il est resté agonisant, attaché à un poteau. C'est pour ça qu'en fait c'est un assassinat, ce n'est pas une exécution traditionnelle. Au lieu de tirer une balle dans la tête, comme il est prévu par le règlement, l'adjudant, encore une fois peut-être trop ému certainement, a tiré dans l'omoplate. Cet homme a dû souffrir le martyre, et il a fallu encore un quatrième coup de grâce. À cet instant précis, la balle a été tirée dans la tête. De Gaulle a commandité cet assassinat. 8 mois plus tard, le 11 mars 1963, le colonel Jean-Bastien Thiry, polytechnicien, tombe à son tour à 35 ans sous les salves du peloton. C'était le quatrième condamné à mort. Il y a eu Claude Piègue et le sergent Albert de Becquart, sergent au 1er régiment étranger de parachutistes, comme De Gaulle, puis Bastien Thiry. Bastien Thiry avait commandité l'attentat du Petit Clamart contre De Gaulle. Quant au sort des disparus, traités en esclaves ou torturés dans des prisons sordides, dans des maisons closes et dans des mines d'Algérie, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Très peu eurent la chance de pouvoir s'échapper de ces camps de la mort. André Aussignac,
jeune appelé en Algérie, sort de sa caserne d'El Bihar le 21 juillet 1962 pour acheter des cigarettes et tombe sur un contrôle militaire FLN. Ils m'ont demandé mes papiers, alors j'ai donné ma carte militaire. Ils l'ont déchiré, ils m'ont mis les mains derrière le dos et ils m'ont embarqué dans un camion. Ce camion chargé d'Européens les conduira dans une briqueterie. Puis après plusieurs jours de marche, ils se retrouvent dans une mine de Miliana. Ils sont maltraités, privés de nourriture et d'eau. Des coups de manche de pioche sans boire et sans manger. Hein. Avec les morceaux de tissu qu'on avait, on les mettait dans les fentes de la mine et ça coulait de l'eau. Et on suçait ça. Et j'en ai vu, quand ils pouvaient, ils se pissaient dans la main, ils le buvaient. Le plus dur, c'est la soif. Vous avez la langue qui se colle au palais, vous vous étouffez. Beaucoup n'arrivent pas à supporter ce traitement et préfèrent en finir. Ils plantaient la pique dans le truc et ils se jetaient dessus. Et ils s'empalaient, carrément. C'est-à-dire, ils devenaient fous, quoi. Ils survivent dans les pires conditions. Je ne sais pas s'il y a pire. Pour moi, c'est le pire. André Ossignac tente alors de s'évader en s'accrochant sous un chariot de mine. Crever pour crever, j'ai dit, tant pis si je passe le concasseur, c'est pareil. Il y avait un embranchement, un aiguillage. Je suis tombé, ils m'ont attrapé. J'ai reçu une bonne tabassée. Après une deuxième tentative d'évasion, il est à nouveau pris. C'est là qu'ils m'ont attaché. Ils m'ont arraché les ongles des orteils. En plus de lui arracher les ongles, il lui brise la cheville. Malgré ses blessures, il tente une troisième fois de s'évader. La troisième fois, je me suis fait enterrer dans le chariot. On est parti à trois, chacun un chariot. Et quand ça s'est vidé, on s'est raccroché. Et là, j'ai pu me sauver, mais j'y voyais plus, parce qu'on était dans le noir presque. Le soleil, ça m'a brûlé les yeux, et je suis parti comme ça. J'ai entendu des coups de feu. Alors, je ne sais pas s'ils ont attrapé les deux autres ou quoi. Et puis, j'ai marché jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Il est récupéré et épuisé sur le bord d'une route par des pieds noirs qui l'embarquent clandestinement sur un chalutier où il rejoint la France en mars 1963. Personne ne m'a reconnu quand je suis arrivé. À son arrivée, il ne pèse que 40 kilos. Mais son chemin de croix ne s'arrête pas là. On l'interne au fort du Ha pour désertion en temps de paix. Il est brutalisé. On voulait qu'il livre les filières qui lui avaient permis de revenir d'Algérie. Son histoire gênée, on l'a menacé afin qu'il se taise. Mon père était chauffeur de camion-citerne. Il a été enlevé par le FLN en 1956. Il avait quand même que 38 ans. Il a dû essayer de se sauver. Je pense qu'ils l'ont, et je souhaite qu'il ait tué par une arme à feu et pas qu'il ait égorgé comme ils ont tendance à le faire. Que fait la France pour cette disparition ? Rien. La France n'a jamais rien fait. Vous y pensez souvent à votre père ? Tout le temps. Tout le temps, je pense à mon père. On a une blessure qui ne se referme pas. En 1962 fut l'année d'un des plus grands exodes de l'histoire. Il y avait un monde fou, c'était affreux, quoi. Tout le monde se bousculait, tout le monde essayait de partir, c'était angoissant. On passait des jours et des jours devant les bateaux pour pouvoir avoir une place. 3 jours sur le port, sans se laver, sans rien. On dormait sur place pour avoir une place pour pouvoir partir en France. Et on la payait, la place, pas gratis. Et un jour, la dernière fois, ils lançaient les places en l'air et il fallait les attraper. Les attraper. Et moi, j'ai attrapé le numéro 1. Et c'est comme ça qu'on est parti. C'est la valise ou le cercueil. Quand on dit la valise, on est parti avec une valise, comme la majeure partie des pieds noirs. Je suis partie comme une voleuse, avec une valise et un cercueil. Avec une valise et un cercueil et deux orphelins. Et je suis partie comme ça.
je les vois tous pleurant. Je m'en voulais, c'est pas possible de voir tout ça et ne rien dire. J'étais dans ma tenue de capitaine et j'assistais à ce drame. Les appartements des Pieds Noirs, à peine vidés, sont envahis par les familles musulmanes. Non, on ne voulait pas partir, on ne voulait pas, mais après on a vu tellement de massacres, tout, il a fallu partir comme tout le monde. Depuis les accords d'Évian, rien n'est respecté sur cette terre d'Afrique et tous les Européens et Harkis doivent fuir s'ils veulent rester encore vivants. C'était la fin de leur foi en la France et c'était la démonstration de ce que peut être la petitesse humaine sur le plan politique. Mon pays, la France, il a disparu dans ce cataclysme qui a emporté l'Algérie. La France a disparu aussi. Ah, ça n'était plus la première mort. Pour la plupart, c'était la dernière. C'était la mort. Je vous ai compris! Non seulement c'est un drame, mais c'est une tache sur l'histoire de France. C'est un gâchis épouvantable. 400 000 morts pour rien. Et nous, nos parents, étaient désarmés et trahis. Ça passe pas. Voilà. L'abandon des promesses, des engagements faits par nous, je le hais. Vous avez un mot à dire concernant De Gaulle? Non. Non. Je n'ai pas de mot à dire. À leur arrivée à Marseille, des pancartes les invitent à retourner chez eux. J'ai vu au-dessus de la gare maritime la grande banderole de la CGT, Pieds Noirs, retournez chez vous. Signé la CGT, ça j'ai vu. Gaston Defer, maire de Marseille, ne veut pas de Pieds Noirs dans sa ville. Arrivé à Marseille et M. Gaston Defer ne nous a pas voulu. Donc on a été dirigé sur Toulon. On ira jusqu'à plonger des conteneurs dans l'eau. Des conteneurs qui sont partis à l'eau par des dockers. J'ai vu des engins de levage rentrer dans les cadres qui étaient fabriqués par les Pieds Noirs eux-mêmes, avec les quatre affaires qu'ils avaient pu récupérer qui ont été écrasées, qui ont été même fouillées. Hein. On prenait des choses qui n'avaient aucune valeur, mais c'était, il fallait prendre, il fallait casser. Voilà. Tous les gens qui ont fait ça et qui m'entendent parler aujourd'hui, j'espère qu'ils s'en mordent un peu les doigts. Tout ce qui leur reste comme souvenir sont engloutis dans ce raz de marée qui les submerge. Lorsque j'ai été reçue par l'inspecteur d'académie, celui-ci m'a dit: je vois que vous venez d'Algérie. Ici, c'est fini de faire suer le burnous. Vous vous tiendrez tranquille. D'où es-tu? D'où tu viens? Et je dis dans ma tête, cette personne-là ne me connaît pas, ne sait rien de moi et me tutoie d'emblée. La réponse fuse: je suis de Bab El Oued. Le lendemain, plus aucun enseignant me dit bonjour et les 45 me tournent le dos. Voilà l'accueil en métropole. Malheureusement, à quelques exceptions près, les métropolitains ne comprennent pas le désespoir de ce peuple qui ne demande que l'asile et un minimum de chaleur humaine. On enferme les Harkis dans des camps. On n'a pas essayé de les aider. Au contraire, on les a exclus en les mettant dans des camps, en les parquant comme des pestiférés. Les camps, la neige, le froid, les baraques en ferraille, le courrier censuré, le peu d'argent que nos parents touchaient était racketé par des officiers peu scrupuleux. Mon père a fait un peu comme le père à mon collègue. Il est arrivé à un moment, un tournant de sa vie, où c'est qu'il a balancé ses médailles, où c'est qu'il a déchiré ses livrets militaires. Ils se sont battus pour défendre leur famille, dans les camps d'abord, où les amis, où j'ai été les voir souvent. Je les vois encore, mais ils sont marqués à mort. Malgré ça, nos parents sont restés très patriotes. Et plus patriotes que certains Dupont et Durand même. On est fiers d'être français. Et pour moi, ça,
C'est la plus belle des choses qui me sont arrivées. Nous, on a toujours été français. On a fait 14-18. J'ai de ma famille qui sont morts à Verdun. J'ai ma famille, on a fait la Deuxième Guerre mondiale. J'ai un courant qui était vivant, il est à Dijon, il a fait toute l'Indochine, il est encore vivant. On a fait l'Algérie, on a fait toutes les guerres avec la France. L'accueil que nous fit la France à cette époque-là était identique à l'hiver que nous eûmes cet hiver-là. C'est l'hiver le plus froid de toute leur existence. Beaucoup ne résisteront pas à cet exode. Alors, ma mère s'est laissée mourir à 51 ans. Elle a décidé de plus s'alimenter. Elle trouvait qu'il pleuvait, il y avait de la neige, il faisait froid. Elle s'est laissée mourir. Là, j'ai vu des gens complètement ravagés, un type qui rigolait sans arrêt, fou furieux. Il habitait une ferme près d'Oran et les Arabes l'avaient attaché sur une chaise. Ils ont violé ses deux filles et sa femme. Après, ils les ont égorgés et lui, ils l'ont libéré. Ils l'ont laissé vivant pour qu'il raconte ça. Malgré tous ces malheurs, et peut-être à cause de tous ces malheurs, ces Français d'Algérie vont se réadapter dans un pays qui est le leur, mais où ils sont marqués d'être traités de sales pieds noirs ou de gros colonialistes. J'ai jamais vu de gros colons. J'ai vu des petites propriétés, j'ai vu des artisans, j'ai vu des ouvriers. Ça faisait partie de ce qu'on racontait à cette époque. Il y avait quand même une manipulation de l'opinion publique. On est marqué, bien sûr qu'on est marqué quand on entend des choses comme ça par d'autres Français. Se sentant trahis par une France qu'ils aimaient tant, beaucoup ont préféré s'expatrier. L'Espagne, comme beaucoup d'autres pays, vont aussi leur offrir l'hospitalité. Et on s'est retrouvés en Espagne, et grâce à Franco, on est là. Il nous a très bien reçus, ce que la France n'a pas su faire. On est débarqué ici en 62, puis on nous a bien accueillis. Et c'est de là que je suis resté, là. Plus de 50 000 pieds noirs se sont installés en Espagne, principalement des Oranais. Ils feront d'Alicante une ville moderne. Si Alicante c'est devenu Alicante, c'est grâce aux pieds noirs. Toutes les discothèques, tous les bars, les restaurants, c'était tenu par des pieds noirs. Je vis en Andalousie, où vous me filmez là. Si je vous aide dans ma maison, la France pour moi est une mère indigne. Et elle nous critique et elle ne nous rend pas justice. Et tant qu'elle ne nous rendra pas justice, pour moi, je ne chanterai plus la Marseillaise. Plus d'un demi-siècle après la guerre d'Algérie, Harkis et Pieds-Noirs demandent encore et toujours une reconnaissance officielle et solennelle de la responsabilité de l'État ainsi qu'une réparation morale et matérielle des préjudices subis. Nos parents ont pris la valise et aujourd'hui, il nous reste le cercueil. Donc on l'amène devant la République, la préfecture de région, pour qu'elle sache qu'il reste encore le cercueil qu'il faut qu'elle assume. En réponse, des villes comme Montpellier érigent des statues, dont celle de De Gaulle. Je suis aujourd'hui venu, bien évidemment, manifester contre cette statue de De Gaulle, que je trouve pas très belle d'ailleurs, mais ça représente bien le personnage, celui qui a abandonné l'Algérie, qui a abandonné les populations harkis rapatriées, donc c'est pas un grand personnage de l'histoire de France. Dans d'autres lieux, on inaugure des places ou rues 19 mars 1962, qui symbolisent l'indépendance de l'Algérie, alors que cette date représente celle des méprisables accords d'Évian qui donnèrent le signal d'une accélération du massacre des pieds noirs et harkis. Et c'est une date qui est fêtée en Algérie comme la fête de la victoire. Les Algériens ont édité un timbre 19 mars, fête de la victoire. Et je trouve insensé que la France tolère que des rues, des places soient inaugurées pour le 19 mars. C'est comme s'il y avait des rues Waterloo, s'il y avait des rues Trafalgar. C'est incompréhensible. Leur blessure n'est toujours pas cicatrisée. C'est une plaie ouverte, profonde et secrète. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on a vécu. D'ailleurs, quand ils l'apprennent, ils ouvrent les yeux et disent « c'est pas possible ». Certains retourneront dans leur pays pour tenter d'apaiser cette souffrance, alors que d'autres préféreront garder en eux le souvenir de cette Algérie perdue à tout jamais. Non, je ne retourne pas là-bas, je garde que mes beaux souvenirs. Je ne veux pas savoir si ma maison elle est cassée, si elle n'est pas cassée, je m'en fous complètement. J'ai tout là-dedans et là-dedans, ça me suffit. Mais qu'est devenu Alger sans ses pieds noirs? Les églises ont perdu leur croix.
Les cimetières ne sont plus que désolation. No sé si su alma tan bella brillaba bajo las estrellas. No sé si el ángel del cielo con sus alas viraba. Si l'histoire de l'Algérie française est encore méconnue en France, elle l'est aussi en Algérie. La guerre d'Algérie n'est pas fouée. On n'a jamais appris la vérité. Mon grand-père s'est combattu avec la France contre les nazis en 19 ans, la Première Guerre mondiale. Mais on ne parle jamais de ça. Il y a des Algériens qui sont battus pour la France. Mais pour eux, les Français, c'est des harkis. Les Algériens, c'est « Ah, il a fait la Première Guerre, c'est un harki ». Pourquoi est-ce un harki ? Il a combattu pour la liberté. Tout le monde aussi se bat pour une liberté. À chaque coin de rue, tu trouves un policier. Alors si vous montez à Hidra ou El Golf ou El Bia, vous trouvez que fils de militaire ou militaire qui tient des ranches avec 2 hectares, 3 hectares de terrain. Et le peuple algérien vit dans des bidonvilles, crève la faim et crève la dalle, c'est ça, crève la dalle. En harmonie avec les Algériens. Bab El Oued était plein de juifs. Que ces juifs travaillaient avec les Algériens, mangeaient ensemble, faisaient la fête ensemble, buvaient ensemble, sortaient ensemble. On ne connaît que ça. Mais le gouvernement algérien dit dans les programmes, ah, les pays noirs, c'est des gens pas bien, ils ont fait la guerre contre l'Algérie, ils ont tué des Algériens, des familles, ils ont violé des femmes, ils ont fait ça. Mais non, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont nés en Algérie déjà, de 1. Ils sont Algériens. Au moins, eux, nous font rappeler la France. La France, l'Algérie française déjà, la vraie Algérie blanche, les gens qui marchaient étaient libres, parlaient, il y avait des beaux bistrots, il y avait des casinos, c'était beau, la mairotique était belle, Charlie Chaplin a inauguré plein de trucs à Alger. On partage l'histoire, on partage un siècle déjà, pour partager un siècle entre deux pays, ça veut dire qu'il y a une liaison, il y a une relation. Il y a un arabe un jour qui m'a dit, nous étions faits pour vivre ensemble, et la politique et les hommes nous ont séparés. La guerre d'Algérie, c'est la guerre qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Mais vous ne pensez pas que l'Algérie aurait évolué quand même vers une indépendance ? Elle aurait évolué vers l'indépendance, mais multiraciale. Les Français d'Algérie étaient déjà des Algériens au même titre que nous. Des fois, il y a des gens qui regrettent de faire la guerre contre les Français. Regrettent d'avoir chassé des Français. Parce qu'au moins, autant des Français, ils vivaient, ils mangeaient à leur faim. Maintenant, ils ont fait la guerre, ils ne mangent pas à leur faim. Un jour, il y aura un soulèvement. Vous regrettez que la France soit partie ? Oui, je regrettais. Parce que de voir mon peuple vivre la misère, ça m'a... Si la France était restée, il y aurait eu la liberté, c'est ça ? Oui. Et la richesse ? Ah oui. Au moins, on vivra. L'Algérie, c'est un autre pays. Je serais consolé de l'avoir perdu s'il était heureux aujourd'hui. Depuis que nous sommes partis, ils n'ont rien fait. La nostalgie de leur Algérie va les inciter à retrouver leurs racines. Malheureusement, le pays qu'ils ont laissé n'a plus rien de commun avec leurs beaux souvenirs. Et je ne peux même pas dire que mon pays m'a été arraché puisque je l'ai en moi. Des cauchemars non, mais des regrets oui. Plus j'avance en âge, plus j'ai des regrets. Même si la France reconnaît ce qu'elle a fait. Et en plus, je suis fière d'être née en Algérie. Je suis très fière d'être pied noir. Pour moi, c'est le plus beau mot qui existe, pied noir. Pour moi, maintenant, l'Algérie, c'est plus mon pays, c'est l'Algérie de maintenant.
Mais par contre, je pense à mon Algérie, à celle de ma jeunesse. L'Algérie a été pour moi cruelle parce que d'abord j'ai perdu mon pays, j'ai perdu mon mari et j'ai perdu ma mère. Je pense qu'on ne s'arrache pas de son enfance, on ne s'arrache pas de sa jeunesse. Donc, mon Algérie, c'est tout ça. J'avais une très grande amitié, j'avais une très grande amitié avec les Arabes, très très grande. C'était des gens bien. Ces pieds noirs ont tout perdu, même leur mort. Ça, c'est pas de l'entretien, ça. Ça, c'est un massacre qu'ils ont fait. C'est un massacre qu'ils ont fait. Quitter son pays sans aller revoir sans doute pour une dernière fois la maison de son enfance. Bonjour. Anne. C'est madame Anne. Ces pieds noirs, ces harkis, ces Français pas tout à fait comme les autres, qui n'avaient rien demandé, ont vu leur destin englouti dans le tourbillon d'une histoire toujours occultée. Les larmes aux yeux et le cœur déchiré, c'est un dernier adieu à une terre tant aimée. De l'Algérie, on n'en guérit jamais, disait Albert Camus. J'en veux aux dirigeants de l'époque qui n'ont pas su nous comprendre. Mais j'en veux pas la France. La France, c'est ma patrie et l'Algérie, c'est mon pays. La première génération, la génération de nos parents, on leur a demandé simplement de mourir et de se taire. Les enfants veulent savoir. J'en suis un et je veux savoir. J'espère que j'aurai avec mes petits-enfants un peu plus d'oreilles ouvertes. Maintenant, je continue à défendre les harkis. Je fais tout ce que je peux faire et à expliquer un peu aux Français qui ont été manipulés, à qui on a menti et que l'on a trahi, leur expliquer un peu ce qu'a été cette guerre. Il ne faut pas s'arrêter aux choses moches. On peut essayer quand même de contrebalancer les ignominies en se disant que finalement, ça, tant pis, ça a peu d'importance. La vie est belle. La vie est belle.